Ah, ce qui est drôle, c'est qu'elle commence quand t'arrêtes d'ouvrir ta gueule aux Russes. Tu viens de dire beau. T'es con, là. T'es une merde, Vitoz. Et je te chie dessus, toi, les Anonymous. Les Anonymous France, en tout cas. Les autres en anglais, je vais pas écouter, mais Alors pas moi, ça, hein. aux Alors Russes. voilà, Anonymous France, vous êtes de la merde. Vous Quand tu servez veux, à je te rien, défonce la pensez-y gueule. bien. Hein, Vitoz, Quand t'es un tu veux. résistant, t'es un résistant, t'es de gauche. T'es une merde, Vitoz. T'es une merde, t'es un gay. Vitoz, t'es un gay. Nous sommes ce que nous nommons. Tu en dis des choses, hein? Tu sais quoi? 3 rue du Belvédère, La Montagne, 97, 417, La Réunion. Allez, passe quand tu veux à la maison, mec. Putain, c'est comme une tour, Passe toi, qui vois quand que tu tu vois veux à que la c'est dur. maison, T'as mec. pas de pied, t'as pas de couilles, t'es même personne! Ah ouais? Il en a pas, mec? Il en a Vitas, pas, mec? Vitas, t'es un ton, t'es de merde. T'es moche comme un pou, c'est pour ça que t'oses pas monter tes Itad, bras. c'est un Parce que frère, autrement, mec. les gens auraient peur. T'es le éléphant C'est un man, Vitas. frère. Hein? C'est pour ça que tu te caches derrière ton masque. L'homme sans Il couilles, est où mon là. masque? Hein? La tapette à mouche, Il est où mon Vitas. masque? C'est un frère, Ouais, Itad. j'arrêterai pas. Je vais te détruire! Je vais te détruire, Vitas, Anonymous, là. T'es le merde et les merdes sont là. Vitas, le bouffon. C'est encore long? Ouais, c'est bientôt fini. 20 secondes après, je te discute avec toi. Et non, c'est pas un juif. M même si ça le serait, vu son attitude, ça serait un bon juif. Bon, ça nous dit aussi qu'à la fin, tiens bien de branler. Bon, c'est la vie, hein. Comment faire simple, en fait? Horus. Tu te fais appeler Horus, tiens? Ce qui est drôle, c'est... Tu te fais appeler Horus. Horus, tu détruis la vision de Horus. Tu détruis la vision de Horus. Tu n'as aucune... En effet, les Anonymous sont un groupe qui sont pas parfaits. Souvent instrumentalisés dans le mauvais sens, etc. Mais... Enfin, comment dire? Itadz. Comment dire? Comment t'expliquer clairement une chose? Je suis les agissements de Itadz depuis quelques mois maintenant, on va dire 2 mois. Et il se trouve qu'avec nos faibles moyens, il a Monsieur Itadz, José. Eh ben, comment dire? Il s'est investi à fond des nuits blanches. Son travail est certes pas parfait et tout, mais ce qui est parfait chez lui, c'est sa volonté et sa bonté. Je n'ai entendu que qu'insultes. Que. Bref, j'ai pas besoin de te repasser en boucle ta vidéo, Horus. Et tiens, je vais même m'abonner à ta chaîne pour te pister, Horus. Je vais regarder toutes tes vidéos et je vais à chaque fois plomber ton argumentaire, quoi qu'il arrive. Je vais pas plomber. Quand tu auras raison, je dirais que tu as raison. Mais tu as souvent tort. Et en plus, au lieu de critiquer les Anonymous de manière constructive, tu ne fais que amalgamer, que diffamer, que injurier. Alors en ce moment, Itadz, il bosse sur une application qui permettrait à l'ensemble des utilisateurs, donc accessible sur ton smartphone ou russe, de voter les lois, de voter les décisions économiques, de propager les informations, de comment dire, de faire gouvernement entre nous, pour le peuple, par le peuple, toutes ces conneries quoi qui nous ont vendu la République. Eh ben, Itadz se saigne
depuis plusieurs mois maintenant pour essayer de donner vie à ce projet qui, je le rappelle, distribuait le pouvoir politique à l'ensemble. Si tu n'es pas... Horus, si tu n'es pas capable de comprendre le bien fondé de cette démarche, je vais prier pour toi. En bon chrétien, c'est tout ce que je peux faire. Et je te pardonne, mais je te pardonne. Et je te pardonne, J'essaie juste de transmettre la sagesse que tu n'as pas. Regarde-toi. Tu une torse nue alors que tu fais 60 kilos, mec. D'accord, les poids plumes, ils sont rapides. Tu es peut-être rapide, hein, en soumission, mais je te soumets, je te prends le bras, je te le mets dans le cul si j'ai envie. Non, il faut. Tu m'as énervé, tiens. Ah, je me suis fait sonner l'oreille. Ah. Tu vois sur qui tu tombes? Donc, je vais me calmer. Je vais me calmer. Mais voilà pourquoi je m'isole du monde. Parce que quand je suis face à des gens comme toi dehors, bah ça me réclame. C'est pour me tenir, pour éviter de tous les tuer, tous vous tuer, quoi. Je me tiens pour pas tous vous tuer. Je dois vous aimer. C'est ça le message du Christ. Vous aimer. Enfin bref. Putain, Russe. Quand je pense que t'es même pas capable. Putain. Je vais même te mettre des liens, tiens. Le lien qu'il y a en dessous de finalement, je vais plutôt faire une vidéo pour te répondre. Je vais te mettre le Google Troll numéro 9. Quand, si tu arrives à le lire, à voir la. Je vais prier pour que tu l'aies, à voir l'intellectuel et la cohérence d'esprit de comprendre l'ensemble du message qui est présent dans Google Troll.9, enfin 009. Tu comprendras la bienveillance du projet que porte Itads. Parce que Itads se base sur ce Google Troll, enfin ce qui est présent dans le script qui est accessible après. Hein. Si tu veux me discuter en dessous du Google Troll, tu auras les liens vers les chats directs pour parler avec moi, pour parler avec Itas, pour parler avec tout le monde, avec tous les Anonymous que tu voudras dans ta vie. Tu pourras parler avec eux directement. Il suffit de cliquer sur le lien Discord et de nous rejoindre dans les salons de discussion. Et là, je viens de le mettre, le lien. Je vais même te mettre mon lien Discord personnel pour que tu viennes directement discuter avec moi. Et je vais te mettre le Google Troll 9 pour te faire écouter un script qui vise à sauver l'humanité. Et comment dire? Alors, elle va être longue cette vidéo. Combien de temps là on est? 10 minutes pour répondre à Horus, tiens. Il n'en faut pas plus, hein. C'est juste un peu long parce que j'ai envie de t'emmerder, Horus. L'envie est un péché. Tu vois, tu as fait une vidéo injurieuse et moi qui essaie de tendre vers le meilleur de mon potentiel, le plus bon, le plus juste, me rapprocher des esprits saints comme Bouddha, le Christ, le Pâle. Enfin, toi qui es canadien, tu devrais connaître un peu l'histoire des Amérindiens et tu devrais comprendre que ta philosophie en ce moment que tu es en train d'appliquer n'a rien à voir avec les coutumes ancestrales des peuples qui étaient là avant toi, là où tu étais. Alors bien que pour moi la branche québécoise du Canada est la meilleure branche de l'Amérique du Nord, car si on se souvient de ce qui s'est passé en Louisiane après qu'on ait vendu la Louisiane avec Napoléon et que bref, les Français qui étaient là-bas respecter les coutumes locales, respecter les Amérindiens, respecter.
avant que les Anglais arrivent et se mettent à tuer tout le monde. Tu ne portes même pas l'honneur de la langue que tu emploies tous les jours. La langue française est une langue, en plus d'être une belle langue, elle est surtout empreinte de l'esprit du Christ. Et ce que je viens de voir là, ça n'a rien à voir avec l'esprit du Christ. Tu salis nos mots. Tu salis la mémoire des Français aux Russes. Et je vais prier pour que tu tendes vers un plus beau potentiel. Parce qu'au fond de cet individu prétentieux, arrogant, vaniteux, colérique, faible d'esprit, au fond de ça, je suis sûr qu'on peut trouver un diamant bien brillant. Peut-être il faudra d'abord te casser la gueule pour te faire découvrir la vérité. Mais une fois que tu auras arrêté de faire le con, tu seras peut-être même l'une des plus belles personnes d'entre nous. En attendant, j'ai pas les moyens de prendre un billet d'avion pour le Canada. Si t'as envie de venir à La Réunion, bah passe à la maison, hein, 3 rue du Belvédère. Tu vois, toi tu suces une bouteille pour boire, moi je bois un verre. Tu vois toute la différence entre toi et moi? Tu suces, je bois. Si je veux me laisser aller, si je veux me laisser aller à ce qu'il y a de plus noir en moi, comme tu viens de le faire. Mon Dieu. Cacherais n'importe où. T'es capable de voir quelqu'un droit dans les yeux quand tu discutes avec lui? Regarde bien ta gueule. Regarde bien ma gueule. Enfin bref, je vais pas te lâcher, Horus. Je vais te pister partout. Je vais regarder toutes tes vidéos. Je vais commenter toutes tes réflexions. Et je vais te proposer la voie du Christ à chaque fois. Et un jour, tu la suivras. Quand tu rencontres une personne qui commit tads, donne tout son temps pour essayer de faire jaillir un monde bienveillant pour l'ensemble, il est nécessaire de le respecter, de lui apporter son soutien. Qu'est-ce que tu vaux? Tu travailles pour qui en faisant ça? Parce que derrière ce masque, il y a un Français. Un Français qui a la vingtaine, vingtaine plus. Il a 1 ou 2 ans de moins que moi, je crois, Itaz. Déjà, tu t'es trompé sur son âge. Peu importe ce que tu crois savoir des gens, même moi qui viens de voir une preuve flagrante de ton immaturité, monsieur Horus, je te dois le respect.
parce que nous devons à tout le monde, à tous nos congénères, le respect, même aux plus mécréants. Et en ce moment, tu es le mécréant de la bande. Mais tu fais partie de la bande. Qui autour de toi, malgré tous tes défauts, te propose de faire partie du tout? À part ceux qui essayent de reproduire le message du Christ sur terre. Parce que je t'ouvre les bras, je t'ai donné mon adresse, je t'ai donné mon identité complète. Tu passes la porte quand tu veux, on boit une bière, on joue un billard. Quand tu veux, tu passes la porte. Si tu montes ta garde, je tendrai la joue. Quand tu frapperas, je tendrai l'autre joue. Et tu comprendras pas ce qui t'arrive. Et peut-être qu'un jour, pour rigoler, on dira, viens, on se fait un petit sparring et tout, je te soumets en 2 secondes. Et voilà. Parce que je soumets les gens en 2 secondes. Mais comment dire? C'est une faute. C'est une faute de se laisser aller à sa puissance physique. C'est une faute. C'est une faute de se laisser aller à la colère non construite, même à la colère tout court, c'est une faute. Je faute moi aussi, je pêche. Tu m'as mis en colère. Ça veut dire que je ne suis pas encore le sage que j'aspire à être. Et peut-être que maintenant, toi aussi, tu auras cette conscience des choses et que tu tendras vers le meilleur de tes potentiels. Maintenant, clique sur le lien Discord qu'il y a dans ta chaîne, dans tes commentaires. Et participe au projet. Car ce qu'on propose, on le propose à l'ensemble des francophones. Ce qu'on propose, c'est de libérer les individus d'un pouvoir étatique corrompu. On propose de faire gouvernement. On propose d'être gouvernement. On propose la solution de démocratie directe accessible via des plateformes numériques qu'on est en train de développer de manière bénévole. On y a mis tout notre temps, tout notre cœur dans ce projet. On le fait pour toi, monsieur Horus. Pour vous, excusez-moi, je vous demande pardon. On le fait pour nous tous. On le fait pour l'ensemble de l'humanité, même pour ceux qui ne comprennent pas, comme vous l'êtes en ce moment. Tu veux voir mes yeux? Tu veux voir mes yeux? Hein, Horus? Je te tiens le regard si tu arrives devant ma porte avec ton discours de haine. Et tu seras forcé de frapper Jésus si tu refuses la voix du Christ. Avec plaisir, hein. Viens me frapper. Maintenant que le message est passé, monsieur Horus, devenez sage et essayez d'améliorer la vie de vos congénères, de vos proches. Arrêtez d'être une loque alcoolique qui déverse une colère qu'il ne peut déverser dans son monde réel, car vous êtes en réalité soumis par ceux qui vous entourent et ça se voit dans votre discours. Et je vais prier pour pouvoir vous émanciper de cet état. Amen.
Vive la France et vive le Christ roi. Amen.